Bonjour. Donc, après les interventions de quatre personnes, c'est difficile de poser des questions dans une durée limitée. Donc, je voudrais poser des questions en fonction de l'ordre dans lequel chaque intervenant a parlé. Mes questions portent pas sur la méthode de transposer le cadre européen dans l'enseignement japonais, mais simplement sur les problèmes qui peuvent surgir dans sa transposition dans l'éducation japonaise. Au Japon, l'anglais est souvent considéré comme langue tout puissant. Il suffit d'apprendre l'anglais pour se débrouiller dans la société ensuite. Donc l'anglais est tout puissant. Mais en Europe, même les Anglais, donc les natifs de la langue anglaise, ne considèrent pas que ce n'est pas suffisant. Les Anglais essayent, en plus de leur langue maternelle, essayent d'apprendre plus de deux langues étrangères. Donc il y a une tendance qui est réelle en Europe. Monsieur Takahashi, je voudrais demander votre avis sur ce sujet. Deuxièmement, il y a des choses qui reviennent toujours récurrentes dans notre sujet. Au Japon, les TOEIC, les TOEFL sont trop prisés pour mesurer la compétence en anglais. L'année dernière, il y a eu 5 propositions pour améliorer la compétence de langue en anglais en tant que lingua franca. Et là, quand on voit le contenu, on ne parle que des valeurs utilitaires de l'anglais. C'est aberrant. Et comme j'ai déjà écrit, parlé ailleurs, il y a eu beaucoup de Japonais qui étaient très forts dans la compréhension des textes écrits en anglais. Et il suffit de voir ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Je ne sais pas si je peux énumérer ces personnes. Par exemple, à l'université Nihon, Japon, il y a un professeur qui est très connu. Il a formulé une phrase comme « les anglophones sont nos ennemis », alors qu'il était lui-même spécialiste de la littérature anglaise. Au lieu de présenter l'Angleterre comme pays de culture, etc., il a montré l'Angleterre comme ennemi du Japon. Il n'est pas le seul. Il y a tant d'autres personnes. Kikuchi Kan, il était très doué, un génie de l'anglais. Il a un diplôme de l'université de Tokyo. Il a fait des études en anglais, mais il a même déclaré que la littérature anglaise n'est qu'une valeur secondaire. Il y a 12 ans, Donald Kin, qui vient de se faire naturaliser japonais, il a menait des recherches sur les journaux tenus par des écrivains japonais et récemment publiés. La lecture m'étonne beaucoup. Par exemple, qui c'est qui a félicité l'ouverture de la guerre entre le Japon et l'Amérique? C'était des spécialistes de la littérature anglaise. Et il a présenté les Japonais comme un peuple le plus doué du monde. Donc Donald Kin lui-même, il dit qu'il était très étonné. Donc la compétence en anglais ne représente rien en termes de la compréhension internationale et la sensibilité internationale. Et depuis 2000, après son histoire de 100 ans, l'anglais langues étrangères, les langues étrangères ont été supprimées dans le concours
de devenir un diplomate. Et on dit que ceux qui sont doués en langue étrangère ne sont pas bons pour d'autres, n'ont pas d'autres compétences. Donc au bout de 100 ans d'histoire, et ceux qui sont doués en anglais se sont avérés donc pas très utile. Donc, pour devenir un diplomate dans le concours de fonctionnaires de haut niveau, il n'y a plus d'examen d'anglais. Et c'est comment on doit considérer cet événement. Je poserai la question à Monsieur Takanashi, pardon. Donc. Les Anglais, les natifs de l'anglais apprennent d'autres langues étrangères, alors qu'au Japon, on a une très, très étroite vision des langues étrangères. Et Monsieur Chan, je voudrais poser un certain nombre de questions à Monsieur Bali aussi. Je pense que les Anglais se trouvent dans une situation très délicate. D'une part, ce sont des natifs d'une langue dominante, mais d'autre part, ils se voient obligés d'apprendre des langues étrangères, d'autres langues étrangères que l'anglais. Comment motiver les natifs de l'anglais pour qu'ils apprennent d'autres langues étrangères? Je pense que c'est plus difficile que de pousser les Japonais à apprendre une autre langue étrangère. Voilà la question que je voudrais poser à monsieur Balijand et à monsieur Gilles Forlot. Quand on voit l'Europe de l'extérieur, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre. Par exemple, on a peut-être évoqué souvent, on a parlé du Conseil de l'Europe. Et donc, le Conseil de l'Europe essaye de promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Mais là, il y a seulement le français et l'anglais qui sont considérés comme langue officielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors que l'Union européenne considère les langues parlées dans les 23 pays adhérés comme langue officielle. Comment vous expliquez cette contradiction? Et pour ce qui est de la France occupe une place très importante donc, dans l'Union européenne. Mais elle n'a pas encore signé charte européenne pour les langues régionales et les langues minoritaires. Et on dirait qu'elle a un discours tenu vis-à-vis du monde extérieur et elle a une autre attitude vis-à-vis des nationaux. Donc, le cadre européen est difficile à être compris quand on ne connaît pas la situation de l'Europe. Et c'est pour cela que je voudrais poser cette question. Et pour ce qui est de la France, encore, en parlant de la monnaie, il y a 17 pays qui se sont adhérés à l'euro, l'usage de l'euro, et dont la France, mais le franc, la monnaie française, avait une histoire de 600 ans. Mais est-ce que la monnaie n'est plus l'État? Je ne sais pas si la monnaie correspond à l'identité, mais ça m'étonne beaucoup de la part d'un pays comme la France. L'Angleterre ne fait pas partie de l'euro, ne s'est pas adhérée à l'euro. Comment nous, les Asiatiques, peuvent comprendre cette situation? Et Monsieur Elikawa, je voudrais poser une question. Et pour l'Europe, donc en Europe, on essaie d'apprendre d'autres langues étrangères
d'autres langues étrangères que leur, sa propre langue maternelle. Au Japon, le député Hira Izumi a déclaré que les Japonais n'avaient pas besoin d'apprendre d'autres langues étrangères parce que le japonais suffit pour que le Japon se développe. Et il y a une position comme ceci. Et de l'autre part, il y a des écoles au Japon qui enseignent des matières en anglais, sauf le japonais et l'histoire. Et c'est un produit de la politique qui ont accordé ce qu'on appelle des zones de dérogation. Donc, les Japonais suivent comme une pendule entre deux attitudes, ou bien anglais tout puissant, ou bien anglais tout inutile. Donc, des inconvénients qu'on retrouve toujours dans la politique linguistique du Japon. Donc, je pense qu'il y a une grande différence d'attitude entre l'Europe et la France, entre l'Europe et le Japon. Monsieur Elikawa, je voudrais me demander à quoi c'est dû, pour quelles raisons la situation demeure ainsi. Je ne sais pas si j'ai posé la question pour faciliter votre réponse. Et maintenant, je donne les paroles à M. Terauchi aussi. Je pense que M. Terauchi doit se trouver dans une situation assez sensible. Parce que M. Terauchi est un des élaborateurs, des promoteurs du cadre japonais, des références que les Japonais ont inventées à partir du cadre européen. Donc, moi, je ne sais pas avoir suffisamment de temps pour poser beaucoup de questions. Donc, on a évoqué donc plurilinguisme qui touche donc des individus. Alors, est-ce que au Japon, hein, je parle dans les cas du Japon, est-ce qu'il y a des cas concrets qui mettent en œuvre l'enseignement plurilingue, l'enseignement de l'anglais dans une vision plurilingue. Et pour former des enseignants maintenant, comment saisir le conseil, le cadre européen? Voilà. Voilà, je m'arrête là. Ah non, je continue. Bon, Monsieur Balijan, vous avez parlé de l'importance des patterns et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous avez parlé de l'utilisation du cadre européen dans l'enseignement de la langue maternelle et dans l'enseignement des langues étrangères. Comment on peut faire le lien entre entre la langue maternelle et des autres langues étrangères? Apprendre, Monsieur Gilles Forlot, je vous demanderai. Et au sujet de l'anglais comme langue de ressources. Comment on peut mettre en pratique afin d'enseigner l'anglais de ce point de vue? Donc alors maintenant, nous allons passez le micro aux intervenants et vous avez 5 minutes chacun et vous êtes priés tous de faire des réponses brèves. Monsieur Takanashi, tout d'abord. Merci beaucoup pour les questions auxquelles je répondrai volontiers. Première question posée par Monsieur Otani. Lorsqu'on considère le CECR en tant que miroir pour nous regarder. Personnellement,
J'ai réfléchi sur beaucoup de choses, mais il y a des éléments qui me semblent positifs et que nous pouvons appliquer dans nos activités. Premièrement, l'enseignement, l'apprentissage de langues étrangères considéré dans le cadre européen s'applique sur le plan personnel. Et il y a bien sûr des différences personnelles, mais l'apprentissage de langues étrangères ne termine pas ou ne pose pas un point final au stade scolaire. La vie est beaucoup plus longue que la période scolaire. Et lorsque un jour, un apprenant a besoin de maîtriser une langue étrangère, et c'est ainsi que les apprenants doivent être garantis de possibilités de continuer leurs études de langue étrangère. Et c'est indiqué clairement dans le cadre. Ensuite, la conception de niveau où l'enseignement pratiqué est tout en s'appuyant sur les niveaux. L'élément le plus important, c'est la flexibilité. Donc, même quand même si ça s'appelle un cadre, ce n'est pas un cadre rigide et nous pouvons l'adapter aux besoins et pour appliquer à l'enseignement des langues étrangères au Japon. Et j'aimerais bien répondre à la deuxième question. Les examens de recrutement des diplomates, il y a l'anglais avait une importance considérable, mais il faut faire des études sur la capacité ou la qualité des diplomates. Et ce n'est pas mon souhait personnel, mais il y a un de mes anciens étudiants qui a fait des études sur Ryotaro Shiba, un écrivain japonais. Et dans son roman, un personnage qui est diplomate de la préfecture d'Iwate qui raconte des échanges de correspondance avec des étrangers juste après la guerre russo-japonaise. Et donc, c'est une période juste après cette guerre. Et ce diplomate utilise l'anglais très, très, très bien. Et ce n'est pas un exemple considéré inutile ou non compétent dans le domaine de diplomatie. Et donc, il faut bien distinguer ou voir de près la qualification ou les compétences de chacun des diplomates. Et il faut bien analyser quels sont les facteurs qui ramènent à la décision d'annuler l'examen d'anglais, par exemple. Et dans mon exposé de tout à l'heure, j'ai souligné le plurilinguisme, mais je crois que cet aspect s'est trouvé dans des questions de M. Telaouti, et je crois que je me suis mal exprimée. Et comme j'ai écrit dans mon texte qui est à votre disposition, le monolinguisme ou la première langue étrangère ne doit pas être limitée à l'anglais. Et ce n'est pas mon intention n'était pas de souligner l'importance de plurilinguisme. Et je me demande pourquoi cette question m'a été posée. Et probablement parce que je me suis mal exprimée. Donc, pour répondre à la deuxième question qui m'a été posée, il faudrait penser à la réforme de l'examen d'entrée à l'université organisé par l'État. Parce que ce centre d'examen est
gérée et par l'administration. Et les modifications sont très difficiles à réaliser par la volonté de ceux qui s'y participent. Et en moyenne, entre 15 et 20 membres de comités se réunissent pour la préparation de l'examen d'entrée. Et des questions sont préparées de façon subjective. C'est ainsi qu'il y a toujours des erreurs dans les questions qui sont utilisées pour l'examen. Et comme il y a des données qui ont été décelées sur le plan international, il faudrait créer une base de données pour produire ou préparer des questions, des sujets de l'examen. Et ça, ce serait une méthode. Et j'ai présenté mon idée aux membres qui participent à la préparation des sujets de l'examen d'entrée à l'université. Et c'est ainsi que nous pourrons faire des réflexions plus efficaces. Et il y a un comité qui a proposé 5 propositions, le comité de réflexion sur l'enseignement des langues étrangères. Et il faudrait établir un système qui nous permette d'évaluer objectivement les capacités, les compétences des étudiants. La première question posée par Monsieur Telaouti sur le plurilinguisme. Et j'aimerais bien répéter que je n'ai pas souligné l'importance du plurilinguisme. Et si vous voulez modifier votre question, je vous prie d'attendre que je termine la réponse à la deuxième question. Bien sûr, il y a l'histoire de l'enseignement de l'anglais, mais nos expériences sont trop courtes pour apporter la réponse à la deuxième question. Le groupe d'experts, au sein des groupes d'experts, il y a un groupe de réflexion sur la formation des formateurs, de futurs formateurs. Mais dans l'avenir, ce comité d'études de la formation des formateurs nous essayons de préparer une sorte de portfolio pour les professeurs. Et quelque chose, K-Portal, nous appellerons K-Portal, que nous proposons aux enseignants. Et nous sommes en train de réfléchir comment concrétiser nos idées, nos projets. Et nous arriverons un jour à faire des propositions plus concrètes. Le nombre de données n'est pas très élevé, mais nous collaborons avec le comité des études de l'enseignement et nous constatons quelques tendances qui nous intéressent beaucoup. Et tous ces aspects de formation de formateurs méritent des études plus détaillées. Donc la parole est à Monsieur Barry Jones en 5 minutes. Vous avez la parole pendant 5 minutes. Thank you very much. I will admit to several failings in the English educational system, and one of them is teaching foreign languages. And why?
Because English is so worldwide that most learners in school don't believe there's much point in learning other foreign languages, because everywhere they go, they will be able to communicate in a foreign language. That's why modern language teachers have such a struggle to teach the foreign language for which they're responsible, mostly in school. So that's where we start from. Why we didn't join the Eurozone is known only to the politicians. It's not known to me. Because it was a political decision which a lot of the English public probably agreed with, because they don't like Europe very much either. And I'm sorry about that, but I can't be held responsible for the views and beliefs of my politicians who rule me in some ways, but fortunately I'm autonomous and can have my own views. Now, there was one thing which was said which I absolutely disagree with entirely, and that is the value of English as a lingua franca, if what you are trying to do is only to communicate between people who've only got English as a possibility. What I would say is, and we've tried this with lots and lots of different school settings with older and younger learners, it is only of a minimum use if what you do with it is very minimal in terms of its extent. If you do with it something which enables the learners, whoever they may be, to enter into the minds and civilizations of other and cultures and communities elsewhere, then you, for learners who are 14, 15, 16 and 17 years old, you are using it not just as a means to get a little bit of communication going between different schools, for example, and it's a school setting where I've seen this most widely used. It's, for example, we have had links where the English was only the used by within an exchange of materials between Turkey and Poland. Now, what we were trying to do with English there, because clearly the English children wouldn't understand any Turkish, and the Turkish, in fact, because they were in a French school, didn't understand any English, they used the English to try to discover more about how they lived. That was the only means they had for doing it. And when we were set off in this project, we were trying not to discover simple things about the language, because Turkish was too difficult. What we were trying to say was, what do you do every day? What's school like every day? What do you believe in every day? What's your family like? What do you have to eat? In other words, it became a way of getting into somebody else's minds and ways of thinking and ways of living, and it was the only way we had. And there were some very interesting results from some of the school children who were engaged in that. First of all, when they got the examples of newspapers back from Turkey, it wasn't in a language which they even recognised. They couldn't recognise words within it. And that kind of recognition was very important. They looked at pictures, they looked at photographs, and they had objects which were sent to them. So English as a lingua franca was a means of getting them into other people's worlds. And that was, to my mind, a very valuable experience. And it showed that English, yes, was spoken worldwide in some instances, but English, no, was not spoken worldwide in other instances. And we were using French as the lingua franca, not English, because the schools didn't teach, in this one instance, French. It was in, English. They taught French. So we used as lingua franca, French. And they then discovered they could use a language that they were learning in order to get into the worlds of other people. So does it only have a minimal value if it's used as a lingua franca? No, it depends what you do with it. And that would be my argument for that. Then, yes, we are not very good language learners as a whole, we say. The English say that about themselves.
But what you find in schools is that you can use the foreign language learning, and that's, of course, the only context I know. I don't know anything about teaching English as a foreign language because that's not my job. It's teaching a foreign language which happens to be French. What do I try to do to motivate English learners to do it? I try to arouse their curiosity, not just about the language, which I've already hope I've discovered a little bit by talking to children. Why do you want to learn French? Don't know, don't want to learn French really. Why not? Because French isn't going to be very useful. What do you mean not very useful? Because I haven't had any context in which I could make use of French. So you create the context in which French can be made some kind of use of. As a lingua franca, I'm going to use this example all the way through because that's the only one I know. First, and secondly, as a way of discovering and arousing curiosity about language itself and the culture of the other people. And that I, by culture, I mean culture with a very, very small c, ways of living, ways of thinking, ways of being. And I want also to use my French to make more links with not just France. Some of my group didn't know that France wasn't the only place where you spoke French. So we can discover a little bit about the world where French is spoken. And that gets them into other countries. It gets them into the curiosity of the languages that are spoken in those other countries. So plurilingualism, by adding French and other experiences of language learning to the syllabus, to the contents of what those groups do in school, is one way that we try to say, look, English is spoken across the world, but it's only one of others. And our best resource in Britain, in most major cities in Britain, is the classroom itself. We've had some classrooms where 17 different languages are the mother tongues in one group of 32 children. And to get them into understanding that English may be the common language they use in school, when those children go home, they don't speak English at home. And we've tried to devise projects and different situations in school where looking at the language spoken within a classroom is designed to look at and arouse their curiosity, to get children to talk about their own home language, which gives that a little bit more status, because that doesn't always happen, and status is something which is very important, and to explain, therefore, how their own language works to their own age group within the same class is absolutely vital. So we're looking at it not in grandiose terms, we're looking at it little by little, very modest classroom-based topics. And then French becomes, which is our foreign language mostly, becomes one language amongst many others. And then we say, if you're going to learn that language, and this was my last example, why don't you pair up with somebody else in this room, and we had the project last year, of pairs of people working together, and they had a 10-12 week period only to teach each other the language which the other one didn't speak. And at the end of it, they had a demonstration and a little festival where they showed what they had learnt from their partner. And it was judged by somebody who happened to be that speaker in terms of the competence that the learner in the pair had and developed by courtesy of the other person, the other boy or the other girl, and also what they discovered about their culture. So, yes, we're not very good language learners, but no, we are trying. And we are trying by very practical, modest projects to arouse curiosity about language and about other people, their identity and their cultures. That's the only way we reckon we can do it. Thank you. はい、ありがとうございました。申し訳ありません。フォルローさんもたくさん質問があったと思うのですけれども、5分以内でお願いしたいと思います。Oui, merci. Je vais commencer par la deuxième question. Celle... La...
très difficile de la mise en pratique pour enseigner l'anglais du point de vue présenté aujourd'hui. C'est un chantier qui vient juste de commencer et je ne suis pas le seul, mais enfin, nous ne sommes pas très nombreux à militer pour ce point de vue. Je pense qu'il y a un très gros travail en amont à accomplir. D'abord pour, et pas seulement en France, hein, pour développer des attitudes de décloisonnement, de décompartimentation chez les élèves et chez les enfants au niveau des disciplines, au niveau des langues, développement d'une culture de la transversalité, y compris linguistique. Il y a un travail de formation des enseignants, une certaine forme d'éveil aux langues, parce que les enseignants en France, et pas qu'en France non plus, sont souvent monovalents, n'enseignent qu'une seule langue. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faudrait travailler, c'est-à-dire une réflexion didactique et métalinguistique destinée aux professeurs d'anglais particulièrement, puisqu'ils sont selon moi au centre du dispositif tel que je le concevais aujourd'hui. Un travail de collaboration entre enseignants de langue, un travail interlangue, interlinguistique à faire. Et aussi, je pense que plus fondamentalement, il faut tous qu'on contrôle nos peurs. Hein, nos peurs. Jean-Claude Béaco disait tout à l'heure, parlait des faux amis. Contrôler nos peurs des hybridités, des mélanges linguistiques, des faux amis, que, évidemment, le réflexe de ce que par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est tout de suite, oui, mais le risque de confusion est très grand. Alors que moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il faut aussi sortir d'une culture de l'input en classe de langue, c'est-à-dire l'idée que plus je parle la langue étrangère et que je ne parle que cette langue étrangère, meilleures mes compétences seront au bout de la leçon. Hein, ça, c'est un peu. Il y a des travaux qui ont montré, par exemple, Véronique Castellotti, qui était à Kyoto l'an dernier, elle a écrit un livre sur les bénéfices de l'utilisation de la langue maternelle en cours de langue étrangère. Alors ça, il faudrait que beaucoup de professeurs de langue le lisent, et il y en a très peu qui connaissent ce livre. Ça fait peur en général. Voilà. Pour la première question, sur la charte des langues minoritaires, alors c'est des questions un petit peu... on va dire, moi, je ne suis pas un homme d'appareil, donc je ne connais pas toutes les réponses à ces questions-là, mais je pense que la France a récemment signé à minima la charte des langues minoritaires. À minima, c'est-à-dire on peut signer à plusieurs niveaux. Enfin, quoi qu'il en soit, la question du professeur tout à l'heure est intéressante parce que de toute façon, il y a une réticence qui est en lien avec ce que j'ai dit il y a une minute. Il y a une réticence en France vis-à-vis, en général, de la minorité, de la minoritude, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en général, il y a une réticence vis-à-vis aussi des langues régionales, parce que c'est pas la langue centrale, c'est pas la langue, c'est pas la langue de la République, vous voyez, la République une et indivisible. Et aussi, les Français considèrent qu'il n'y a pas de minorité en France. On considère qu'il n'y a pas de minorité. Donc automatiquement, les politiques sont réticents vis-à-vis de la signature de ce genre de document. On considère que les langues... Ce sont des langues de France, en fait. Quand je dis « on », c'est les politiques. Hein. Voilà, je pense que... Je n'ai pas répondu à la question sur le Conseil de l'Europe, parce que je ne connais pas la réponse. Monsieur Béaco aurait pu répondre tout à l'heure, peut-être après mon collègue. Voilà. Ah, donc, monsieur Ericova. Donc, la question de monsieur Otanier, Japon... Et avec des cycles très longs, des fois on attache beaucoup d'importance à l'anglais, et des fois au japonais. Et donc traditionnellement au Japon depuis 1000 ans, les Japonais ont du complexe vis-à-vis des étrangers. Donc, d'abord, on a appris toutes les choses des Chinois, la construction, et ensuite dans l'État moderne. Et donc, c'est au 19e siècle.
un bateau, en fait, hollandais, qui est arrivé à France. Et après, 50 ans après, il y a le bateau noir américain qui est arrivé au Japon. Et donc, c'est le Fuzaikde qui a décidé d'abandonner le néerlandais pour apprendre l'anglais. Et donc, les Japonais à l'époque pensaient que le Japon était en retard par rapport aux autres pays, surtout américains ou européens. Ce complexe a duré, disons, pendant un siècle et demi. Et d'un autre côté, pendant la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, ça c'est le nationalisme extrême qui a rejeté l'anglais. Et il y a peut-être, on peut en trouver cinq causes. Peut-être la situation géologique du Japon. Et le Japon est un pays insulaire et il n'y a pas ça c'est une des causes. Et deuxième, la fermeture du Japon pendant l'époque Edo, pendant 200 ans. Et troisième cause, ça c'est la différence de la famille linguistique entre l'anglais et les langues européennes, occidentaux. Et donc, des fois, on attache trop d'importance à la langue materne. Quatrièmement, c'est le très haut niveau de la traduction japonaise des œuvres, des documents occidentaux. Et donc, on a et le cinquième, la puissance de la langue maternelle japonaise, le nombre japonais est assez élevé, et donc le japonais a toujours été cinquième rang, peut-être comme langue le plus utilisée dans. Et donc, en ce qui concerne la question de professeur Terauchi, je vous donnerai des informations et des écoles où on enseigne autre langue que. Et par exemple, avant la guerre, l'université de Tokyo a été créée depuis l'époque de Meiji et il enseignait l'allemand à la place de. Et ensuite, il y a Gyosei qui. Et deuxièmement, en ce qui concerne. Il y a un Saitama, il y a un lycée Keio Shugi et qui enseigne plusieurs langues étrangères. Donc, c'est une approche très multi-interculturelle. Et troisième, il y a la. Multilingues qui ont les internationaux, c'est-à-dire pour les Coréens qui y habitent à Osaka, ouais, il y a des écoles qui sont spéciales, qui sont des écoles de Coréen, et même à Hokkaido, là où on apprend le chinois.